Depuis le début, nous avions tort. Et c'est seulement maintenant, après de longues années de conflit, que nous commençons à comprendre les erreurs que nous avons commises. Nous vivions en harmonie parmi les Faé, dans un monde qui s'éveillait à une nouvelle magie. Peut-être aurions-nous dû prévoir ce qu'apporterait cette vague de changement. Quelle force elle éveillerait? Une force assez puissante pour ébranler l'éternel, l'immuable peuple Faé. Mais Gatflo, le nouveau roi de la cour d'hiver, nous a pris au dépourvu. Il était tout ce qu'un Faé n'est pas. Agressif, ambitieux, visionnaire. Il possédait un pouvoir comme nous n'en avions jamais vu, terrible et redoutable. Gatflo et ses adeptes, les Tuatha de Hen, croyaient en l'avènement d'une nouvelle déesse à l'est, sous la forteresse de cristal d'Améthine de Gatflo. Au nom de cette déesse, ils se lancèrent dans une croisade contre les jeunes peuples d'Amalur, contre une armée de mortels. Peu importe la puissance de leur dieu, nous aurions pu être victorieux. Mais les Faé sont des êtres de magie, affranchis des lois de la vie et de la mort. Chaque Tuatha tombé sur le champ de bataille finissait par renaître, car les Faé ne meurent pas comme nous. Comment aurions-nous pu faire face à une telle force? Pendant 10 ans, la guerre a fait rage. Pendant 10 ans, les armées humaines et Alphard ont combattu et péri. Et même alors que nos soldats mouraient, nous savions qu'il fallait être patient. Notre destin était écrit. Du moins, c'est ce que nous pensions jusqu'à votre mort. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Alphard? Varanu? Ça pourrait être un Jotun. C'est toujours la surprise, hein, Goran? Fais ton boulot, tu veux. On se fiche de ce que c'est. Un mort est un mort. Et estime-toi heureux, après tout ce qu'on a vu. Eh, vas-y, soulève le drap. Il faudra le mettre dans le rapport, d'une manière ou d'une autre. Varani, sûrement un mercenaire venu rejoindre le front. S'il avait su comment il finirait, il est plutôt pas mal conservé, tout compte fait. Bon, allez,
N'oublie pas de mettre ça dans le rapport. Tu sais qu'il veut tous les détails. C'est fou comme ce corps s'est bien conservé. J'ai rarement vu ça. Je suis bien content que ce corps ne bouge pas. Ouais, pour une fois, ça nous change des autres. Il nous fallait autre chose? À moins que tu veuilles le rebaptiser, je crois que c'est bon. Mets-le avec les autres. Eh bien, c'en est terminé pour toi. Ce fut un plaisir. Ici! Aidez-moi! Je vous en prie! Encore cette vermine? Merci, merci. Si vous n'aviez pas été là... Attendez, mais je vous ai déjà vu. Vous étiez mort. Ça a marché. Par le Tom, ça a marché. Vous êtes vivant. Eh bien, vous êtes mort. Je ne sais ni où ni comment. Mais votre corps a été recréé dans le puits des âmes et ça a marché. Grâce au puits, votre âme a pu regagner votre corps. Nous devons vous mener au professeur Hugues. Il aura tant de questions à vous poser. Bien sûr,
Mais il faut aller voir Hugh dans son bureau au rez-de-chaussée. Les Tuatha sortent des niveaux inférieurs. Si nous nous hâtons, nous arrivons en haut avant eux. Tenez, ceci devrait vous permettre d'atteindre Hugh en vie. Bien, allons-y. Je vais ouvrir cette porte, et nous pourrons y aller. Par ici. Voici ce qu'il cherche. Notre plus grande invention, le puits des âmes. Imaginez la fin de la guerre et de la mort. Nous sommes dans l'une des réserves. Essayez de trouver quelque chose d'utile. Attendez, vous avez entendu ça? Celui-là avait un arc. Prenez-le. Mieux vaut les éliminer avant qu'ils nous voient.
Bien qu'elle soit fort courte, la dague est une arme redoutable pour qui parvient à surprendre son ennemi. En voilà d'autres. Si vous parvenez à vous faufiler jusqu'à eux avec vos dagues, vous pourrez les achever rapidement et en silence. Les fleurs des grottes ne réagissent qu'à la magie. Auriez-vous des talents cachés ? Incroyable ! Qu'êtes-vous donc ? Ils ont complètement bouché le tunnel. Pourriez-vous utiliser votre bâton pour nous frayer un chemin ? Encore des araignées ! Brûlez-les toutes !
toi, tas de malheur. Ansel, vous êtes vivant. Et qui est-ce? Ça, je compte le découvrir. Il est sorti du puits. Quoi? Alors il faut qu'il aille voir le vieux. Et vite, avant que ces toitas ne repassent à l'attaque. L'armure en cuir est fine, certes, mais assez légère pour permettre de sauter à la gorge de l'ennemi. Ah, l'armure de plaque. Rien ne protège mieux. Elle est intemporelle. C'est ici que nos chemins se séparent. Servez-vous dans cette armurerie, vous y trouverez sans doute ce qu'il vous faut. Assurez-vous d'atteindre Hugh. Nous pouvons retenir les toitas ici. Je ne peux rien faire de plus si ce n'est rester ici pour ralentir les toitas. Nous sommes dans l'armurerie, après tout. Regardez dans ces coffres. Vous y trouverez sûrement votre bonheur. Avec un peu de chance, je vous retrouverai à l'extérieur. Je vous retrouverai dehors, si le destin en décide ainsi. Vous voilà. Et regardez-vous. Après tout ce que vous avez traversé, les toitas, votre retour d'entre les morts... Veuillez m'excuser, tout cela doit vous paraître bien confus. Je suis Hugues le Fomorien, et ceci est mon laboratoire d'Alesta. Tout ce que vous voyez ici n'a qu'un seul but. Le puits des âmes, la recherche de l'immortalité. Et vous, vous êtes ma première réussite. Si seulement nous avions un peu de temps. Nous avons tant de choses à nous dire. Je ne peux tout vous expliquer pour l'instant. Les toitas sont venus saboter mon travail, mais je ne crois pas qu'ils sachent qui vous êtes. Pour l'instant, nous devons vous mettre en lieu sûr. Vous êtes la preuve vivante de ce que nous avons accompli ici. Je ne peux peut-être pas sauver le puits, mais je garantirai la sécurité de sa seule réussite. Oui, vous avez raison. J'ai mes notes. Mais il est plus important de vous mettre en sécurité. C'est-à-dire que vous... vous êtes... fascinant. Absolument stupéfiant. Je n'en connais pas vraiment la cause, mais en tout cas... Oui, comme je disais, je ne sais pas ce... Peut-être que je devrais aller voir. Monsieur Hugues! Monsieur Hugues! Les toitas sont au labo! Ils sont dans le... Ah ah. Non, vous devez sortir d'ici immédiatement. Vite. Suivez le chemin menant à la ville de Lorhart. Trouvez Agart, c'est un ami. Il pourra vous aider. Et quoi qu'il arrive, restez en vie. Allez, allez!
Mitaru soit loué, un autre survivant. Il y en a d'autres ? Je suppose que le destin nous a fait une faveur. J'espère que ceux qui sont piégés à l'intérieur pourront reposer en paix. Prenez soin de vous. Nous allons bientôt partir. Vous, je me souviens de vous. C'est vous ? Comment êtes-vous revenu ? Comment m'avez-vous retrouvé ? Non, j'ignorais complètement qu'une chose pareille arriverait. Le puits des âmes n'est pas simplement la marotte d'un gnome. Mon employeur me paye toute information sur les progrès effectués. Je viens de lui expédier un rapport pour gagner un peu d'argent. Je n'ai jamais voulu faire de mal à quiconque. Mais... pourquoi ? Oh.
Vous venez de la tour, c'est ça? Je m'appelle Haggard. Pourriez-vous aider un pauvre tisseur du destin? Ah oui? Pauvre vieux Hugle Fomorien. Lui, au moins, respectait la marche du monde. Et dire qu'il doit être mort à l'heure qu'il est. Les cartes m'ont appris que le puits des âmes fonctionnerait. Mais aussi que son succès viendrait le jour de la mort de Hugue. Pour tout vous dire, il l'a plutôt bien pris, même si nous avons beaucoup bu par la suite. Vous? C'est donc vous? Alors cela signifie... Tout s'explique. Les cartes de ce matin. J'ai tiré le fossoyeur, le coureur et la bête. Préparez-vous. Les voilà. Il est trop tard pour fuir son destin. Comment? Qu'êtes-vous?
Les soies du destin? Je les avais déjà aperçues, mais... jamais je n'ai vu quelqu'un les manipuler ainsi! Vous avez changé la manière dont tourne le monde. Mais comment avez-vous fait? Vous quoi? Le destin relève de la volonté des dieux et non des mortels! Comment est-ce possible? Approchez. Je vais lire votre avenir. Vous pouvez peut-être changer quelque soit, mais le voile du destin restera inchangé. Je vous promets de ne rien vous dire si je vois votre mort. Ne vous inquiétez pas. C'est rapide, indolore et gratuit. Et après ce que j'ai vu, je ne vous quitterai pas des yeux avant d'avoir une réponse. Vous êtes nerveux? Détendez-vous. Je sais ce que je fais. Je verrai votre place dans le tissage du destin. Qui vous êtes, ce que vous avez fait, où vous mène votre chemin. Oh, en tout cas, je devrais le voir. Vous êtes bien réel. Je n'ai pas tant bu que ça. Le tissage du destin est difficile à interpréter. Il ne cesse de se mouvoir. Difficile à distinguer, mais présent. Le vôtre est... inexistant. C'est impossible. Toutes les créatures mortelles ont une place dans le tissage. Vous devriez avoir la vôtre. Que vous soyez mort ou non, si c'est vrai, et je ne dis pas que j'y crois, alors c'est à vous de tracer votre propre chemin. Cela peut ne rien vouloir dire. Ou alors, c'est la réponse à tout. Le monde change. Vous en êtes peut-être un symptôme. Ou la cause. Je n'ai jamais eu à remettre en question mes propres prédictions. Mais je devrais peut-être consulter Arden. Ce n'est pas un ami. Mais il a un bon œil. Je vous retrouverai dans sa maison, à l'est. Je vais voir si je peux apporter de l'aide aux blessés de la tour. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Avec autant de force que ceux narrant les exploits de Lane, la vertueuse et la dame de la lumière. Elle est la chevalière de la boucle d'or. Elle est la guérisseuse, la conscience des faits de l'été. Elle est le cœur du printemps de la journée. Écartez-vous un peu. Il me faut un peu d'espace pour travailler. Retournez à vos occupations. Allez. Maudite Légion Rouge. Peu importe à quelle espèce vous appartenez, une telle barbarie est une véritable tragédie. Regardez cette pauvre créature. Elle a failli succomber sous les coups.
Les Faé ont beau être étranges, ils ne méritent pas ça. Il semblerait qu'on l'ait attaqué avec une lame courte, probablement une dague, mais je ne saurais l'affirmer. Personne n'a bronché quand elle a appelé à l'aide. Ils n'ont pas levé le petit doigt, vous vous rendez compte? C'est une honte de traiter quelqu'un ainsi, Faé ou pas Faé. J'ignore si nous avons les connaissances pour soigner cette blessure. À vrai dire, je ne sais même pas si je pourrais sauver un mortel aussi gravement touché. Vous êtes bien le seul. Avec tous les problèmes que nous avons au village, les gens baissent les bras face à l'adversité. Ils préfèrent l'ignorer. Je vais vous suggérer une approche un peu inhabituelle. Il y a une Faé qui s'appelle Aéri et qui passe son temps sur la colline qui surplombe le village. J'irais bien lui demander conseil, mais je n'ai pas le courage. C'est la vérité. Une Faé saura peut-être comment soigner une autre Faé. Sinon, nous n'aurons pas avancé d'un pouce. Elle passe ses journées sur le précipice qui surplombe le village. Elle croit que nous n'avons pas remarqué sa présence, mais nous ne sommes pas dupes. Au revoir. Ah, ces maudits bandits. Surveillez bien votre bourse. Oui ? Bienvenue à... Bienvenue. Bienvenue à Gorart, le dernier village avant la Faélie. Que désirez-vous acheter aujourd'hui? Au revoir. Ne vous éloignez pas du village.
bienvenue à Gorhardt. Votre aide sera la bienvenue. Elle ne va pas très bien. J'espère que vous restez en ville. Halte à l'oppression! Assez de mensonges! Abat la centralisation spirituelle et les... Bienvenue à la mission permanente de Saint-Odwig. Je vous inviterai bien à entrer, mais notre ordre s'est montré trop confiant par le passé. Nous tâchons d'apprendre de nos erreurs. Même si... nul ne peut savoir quand sa foi sera mise à l'épreuve. Vous arrivez juste au moment où j'ai besoin d'aide. Mitaru est peut-être à l'œuvre. À Saint-Odwig, nous avons travaillé dur pendant des années pour établir une présence sur cette colline. Nous avons eu notre lot d'épreuves. L'appel de la Faëli n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et nombre de nos plus jeunes n'ont pas su résister. Tenez, frère Egan, par exemple. Avant-hier soir, Egan a franchi les murs pour aller ramasser du bois, et il n'est jamais revenu. Il faut le retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose. Loué soit Mitaru, il est notre maître suprême. Frère Egan a été vu pour la dernière fois au nord-est d'ici, près de la route et des ruines Faé. S'il vous plaît, retrouvez-le. Ensuite, nous pourrons peut-être vous accueillir les bras ouverts. Allez en paix, mon enfant. Où est l'ordre dont Mitaru nous a... Quoi que vous fassiez, évitez les moines de la mission de Saint-Odwig. Ils répandent le mensonge et les fausses croyances. Leur lueur d'espoir vous laissera dans l'ombre. Prenez garde, la Légion... Bonjour. Les temps sont durs. Prendre des risques peut se révéler payant. Si vous avez une bonne lame et assez de cran pour ce genre de travail, sachez que les engagés ont besoin de bras. Malgré les jolis mots qu'utilisent certains, nous ne sommes rien d'autre que des mercenaires, les meilleurs de la région. Les engagés ont prêté serment et sont tenus dans la plus haute estime sur les terres d'Amalur. Vous pourriez aller directement au donjon de Brokkel et proposer vos services. Ça pourrait marcher. Mais une recommandation de ma part aurait beaucoup plus de poids. Pour la mériter, vous devez accomplir un acte louable. Il y a ces deux frères, des gredins de la Légion Rouge, Osgar et Medgar Krast. Apportez-moi la preuve de leur mort. Je vous paierai en or et vous recommanderai. Oh. Des Faé, ici ? Tenez-vous tranquille.